Bonjour! Maintenant, on apprend la partie 4, la section 4 de la chorégraphie. On vient de finir notre partie 3 avec 4 comptes de course. Donc, on vient de finir 5, 6, 7, 8. Et on vient courir du côté droit vers le côté gauche. Maintenant, on va revisiter nos pivots qu'on avait fait un petit peu plus tôt dans la chorégraphie. Cette fois-ci, on va aller vers la gauche. Donc, on va 1 et 2 et 3 et 4. Et avec celui-ci, on va faire notre moulin. On va avoir la main gauche, le bras gauche, qui va atteindre le coin avec notre à la Padma. Et on va avoir notre main droite qui va faire notre action de moulin. On essaie vraiment de finir d'avoir le moulin en bas avec notre pivot en bas. Donc, on a notre focus sur le coin gauche. Et on y va. 1 et 2 et 3 et 4. Maintenant, on va aller vers le coin droit et on va pousser comme on pousse des vagues d'océan avec nos bras. Et ça, c'est très libre. On peut pousser avec un bras, deux bras, les deux bras ensemble, en notant qu'on a 4 poussées sur 5, 6, 7 et 8. Nos jambes, si on a beaucoup d'espace, on peut vraiment prendre des grands pas. Si on a moins d'espace, on fait des plus petits pas. Donc, on vient de finir notre moulin. 1 et 2 et 3 et 4. On pousse 5, on pousse 6, 7 et 8. On peut prendre des pas sur les comptes ou des pas entre les comptes. Ce n'est pas grave, en autant qu'on a nous poussé 5, 6, 7, 8. Donc, on commence, on vient courir, on vient finir notre partie 3. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. On pousse 5, 6, 7, 8. On va faire notre pivot encore une fois, mais cette fois-ci sur la jambe droite. Et on va faire face à notre coin. Donc, on a notre main droite à la Padma, donc notre fleur de lotus. On va aller en bas sur la jambe droite, sur le compte. 1 et 2 et 3 et 4. On va avoir notre moulin avec le bras gauche qui va vers le bas sur notre compte. Donc, on essaie ça d'ici. On y va vite. 1 et 2 et 3 et 4. Cette fois-ci, on va faire notre poussée vers l'avant pour aller vers notre public et on va aller vers le coin droit. Encore une fois, si on a de l'espace, on peut vraiment manger l'espace. Et si on en a moins dans une petite classe ou studio, vous pouvez faire des plus petits pas comme nous on fait ici. Donc, on va avoir nos poussées libres. 5, 6, 7. Et encore une fois, ça peut être un bras, deux bras, l'un l'autre, en autant que ça soit sur les comptes. Donc, on va faire ça tout ensemble. On vient courir dans notre partie 3. 5, 6, 7, 8. On y va. 1, 2 et 3 et 4. On pousse. 5, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Super. Donc, à gauche, c'est la jambe gauche. À droite, c'est la jambe droite. Super. D'ici, on va être dans notre coin. Et on va faire des jambes introverties et extraverties. Donc, je vais faire face à vous pour le moment. On amène nos pieds et nos genoux vers l'intérieur. On commence avec la droite. Et un, vers l'extérieur. Et deux, et trois, et quatre. Super! Tout en faisant nos jambes à l'intérieur et à l'extérieur, on va ajouter des mains. Nos mains qu'on avait, nos petits drapeaux, on va aller vers l'intérieur. On regarde vers l'intérieur. Et ensuite, on ouvre avec nos fleurs de lotus. Et on va vers l'intérieur. Et on va vers l'extérieur. Et ça, on fait ça simultanément ensemble. Donc, on va faire et un, et deux, et trois, et quatre. Toujours en commençant avec la jambe droite, les bras ensemble. Pour cette partie-là, on fait face au coin droit. Et on vient finir de nous pousser. 5, 6, 7, 8. On va vers la droite. Et 1, et 2, et 3, et 4. Super. Maintenant, on a un petit peu de funky. Donc maintenant, on peut aller faire notre mouvement libre tout en ayant tout le monde les mêmes jambes. Donc, on va aller tout le monde vers la droite, gauche, droite, gauche. Et on va essayer d'aller sur nos orteils si on peut et de faire des petits mouvements avec nos genoux et avec notre haut corps. Super! On a l'air drôle en faisant ça. Exactement. Donc, on vient finir. Et 1, et 2, et 3, et 4. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et gauche. On recommence encore une fois. On va vers le coin gauche. On commence toujours avec la jambe droite.
L'intérieur, l'extérieur, l'intérieur, l'extérieur. Droite et gauche et droite et gauche. Super! Et c'est toute notre partie 4. On va essayer ça tout le monde ensemble du début. On vient finir notre partie 3 en cours. 5, 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4. On pousse. 6, 7 et 8. Jambes droite, main gauche. 4, 5, 6. On pousse et on pousse. Et 1 et 2 et 3 et 4. Droite et gauche et droite. Et 1 et 2. À l'intérieur, à l'extérieur. Droite et gauche. Super. Donc, on vient de finir la partie 3 et on va essayer la partie 4 avec musique et on va finir avec notre course en allant dans la partie 4. On écoute. Et on court.